Rainforest.com. Oh, and I'm working on faith. Oh, and you're living on faith. Something's got to give. Just wonderful. Something's got to give. Oh, and you're giving your sensational. Oh, and it's coming. Sure. Something's got to give. Salah. Something's got to give. Give a little more. Harry Kane. Astonishing. Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match, en tout cas le match entre Tottenham et l'équipe de Chelsea. Donc on va partir tout de suite pour le match au Tottenham Hotspur Stadium. On va voir, il y a de la pluie hein. Ici à Londres. Number 4, Toby Alderweireld. Number 5, Jan Vertonghen. Donc voici le classement. Chelsea qui est 4ème avec 29 points. Tottenham 5ème avec 26 points. En tout cas, ça va jouer entre ces deux équipes. Number 11, Eric Lamalo. Number 20, Derek Alley. Si Tottenham arrive à gagner ce match-là, elle sera à égalité avec l'équipe de Chelsea avec 29 points. Donc voici la compo de Tottenham avec Gazzaniga, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Eric Dier, Sissoko, Luka Moura, Dele Alli, Eric Lamela, Harry Kane en 4-2-3-1. La composition donc de José Mourinho du côté des Spurs, du coq. Et du côté de Chelsea, composition aussi intéressante avec Kepa, Rizabalaga, on aura César Azpilicueta, Kurt Zouma, Tomori, Emerson, on aura N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Willian, Mason Mount et Christian Pulisic, ainsi que Tammy Abraham pour un 4-2-3-1 eux aussi. La composition donc de Frank Lampard, 4-2-3-1. On a des absents hein, qui sont pas là, Son Heung-min notamment. Donc Heung-min-son, on a aussi le gardien célèbre Goyoris. Et c'est parti donc pour ce match ici entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Chelsea. Un ballon pour Luka Moura. Ça balance déjà en arrière, c'est pas fini. C'est pour du coup Moussa Sissoko. Heung-min-son qui avait été sanctionné déjà d'un carton rouge le précédent match, donc du coup il ne sera pas présent pour ce match ici. Il sera présent pour la prochaine journée, donc le week-end prochain. Avec Tammy Abraham, c'est pour Mason Mount. Willian qui continue, c'est pour Mason Mount. Willian. N'Golo Kanté, Gazzaniga, gardien argentin, Emerson, joueur italien, avec Sissoko. Oh non, Dele Alli qui a raté totalement sa passe. Le joueur à suivre de ce match qui est Tammy Abraham. Ouh, le tacle sur N'Golo Kanté, peut-être carton pour Moussa Sissoko. Moussa Sissoko qui sera très certainement averti d'un carton jaune. Oh, le carton rouge! Oh, le rouge! Moussa Sissoko qui est sanctionné d'un carton rouge, qui pourra pas jouer le prochain match.
Et du coup, l'équipe de Tottenham qui jouera sans Moussa Sissoko. Et le coup franc ici à 7 minutes de jeu. Le coup franc de l'équipe de Chelsea. Mason Mount. Qui va donc tirer le coup franc à 32 mètres du goal. Attention, il entend et l'arrêt là de Gazzaniga. L'équipe des Spurs qui pour l'instant a un petit peu de mal, effectivement. J'ai un petit peu de mal en ce début de match. Le corner pour l'équipe de Chelsea. Oh là là, et juste au-dessus, la tête de Kurt Zouma. Un chouet au-dessus, un goal de Gazzaniga. Franck Lampard. Avec Serge Aurier pour Sanchez. Yann Vertonghen pour Dele Alli. Eric Dier. Dele Alli, magnifique. Ballon pour Harry Kane. Harry Kane avec Eric Lamela sur l'aile. L'aile avec Harry Kane. Ça a été bien bloqué par l'équipe de Chelsea. Willian. Ouh, Willian qui continue. Il continue, William, c'est pas fini. William. Oh, le but! Le but pour l'équipe de Chelsea. Et voilà les blues de Frank Lampard. C'est Mason Mount qui vient stopper la trajectoire du ballon et qui vient la mettre au fond des filets. C'est bien joué par l'équipe de Chelsea après 11 minutes de jeu quasiment. 11 minutes 17. Et voilà, Frank Lampard. Mason Mount. On peut y voir toute sa joie, hein, Frank Lampard. C'est reparti 0-1. Ici à 12 minutes de jeu, soi-disant. Mais c'est 11 minutes 17. Luka Moura. Eric Dier. Attention, Eric Lamela, Harry Kane, Dele Alli. Dele Alli, attention. On a les joueurs de Tottenham qui pour l'instant ont, comme j'ai dit, un petit peu de mal. En ce début de match, toujours 0-1. Attention, Tammy Abraham. Tammy Abraham, pardon. Excusez-moi. Avec Christian Pulisic. Pulisic, le centre. C'est bien défendu par Davinson Sanchez avec Eric Lamela. Eric Lamela pour Yann Vertonghen. Ah non, ballon perdu. C'est pour du coup Tammy Abraham. Tammy Abraham pour Mason Mount. Mount. Kovacic. Mateo Kovacic. Ah, ça continue, hein. Kovacic toujours. En possession du ballon, la mauvaise relance et peut-être Tammy Abraham. Oh, Tammy Abraham et le but de Tammy Abraham. Et c'était sur le poteau et finalement ça revient dans les pieds de Tammy Abraham. Goal pour l'équipe de Chelsea, 2-0, 0-2 plutôt. On peut en voir ça, pas de chance mais finalement il arrive quand même à le marquer. Ouais, c'est bien défendu. L'arbitre qui est David Cote, pardon. Je voulais juste voir l'arbitre. Et donc voilà Tammy Abraham. Qui marque du coup le but. Et là, tout s'effondre pour l'instant pour l'équipe de Tottenham. Une équipe la saison dernière qui était aux trois poumons, hein, l'équipe de Tottenham. On l'appelait l'équipe aux trois poumons. Finalement, elle a perdu un poumon, hein, l'équipe de Tottenham, les Spurs. Attends, c'est pour Dele Alli. Dele Alli, Harry Kane, Dele Alli. Et le but de Dele Alli, il vient donner un petit peu d'espoir à l'équipe de Tottenham. 1-2 désormais. Ah,
ça c'est bien joué, c'est très très bien joué, phase de possession. Et forcément, ça ne peut que rentrer. Hein. Très très bien joué. Hein, là. Delali. Et voilà donc Delali qu'on avait plus vu depuis depuis octobre, même septembre. Il avait marqué un but en début de saison. Même 3 il me semble, 3 buts. Et puis c'est on l'a plus vu du tout. Et voilà qui ressurgit avec ce but ici. Ah bien, bien défendu ça par Serge Aurier. Mason Mount. C'est bien joué ça. Le corner avec Willian du côté de Chelsea. Ah bien défendu ça par Delali. Serge Aurier, Delali. Delali, ballon pour Lucas Moura. Emerson. N'Golo Kanté. Mason Mount. Willian qui est hors jeu. Effectivement. On va leur voir hein, la position de hors jeu. Largement hors jeu là, Willian. Merci du coup pour Toby Alderweireld. On est reparti. Davinson Sanchez. Serge Aurier, Eric Dyer, Dele Alli pour Toby Alderweireld, Dele Alli pour Eric Dyer pour Serge Aurier, Eric Dyer, oh, attention Emerson qui est du coup pour Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Dele Alli. C'est un magnifique ballon. Oh, c'était presque récupéré là pour Harry Kane. N'Golo Kanté. Mason Mount. Tammy Abraham. Delali. Attention, Delali. Qui a attaqué un petit peu trop fort. Attention, c'est pour Tammy Abraham. Abraham, l'équipe de Tottenham qui se domine pour l'instant, Delali, Lucas avec Vertonghen. Non, Eric Lamela qui est totalement bloqué. Mateo Kovacic. Kovacic, c'est pas fini. Ballon récupéré pour Delali. Eric Dyer, c'est pour Lucas. Eric Dyer. Dele Alli, oh non, ballon perdu, c'est pour Tammy Abraham. Oh, attention, Eric Lamela. Ah, très très bon ballon, Eric Dyer. Ballon pour Dele Alli. Oh là là, il aurait dû laisser l'action, monsieur l'arbitre. Ça aurait pu donner un but. Oh là, attention, Harry Kane qui s'est fait tacler, monsieur l'arbitre qui ne bronche toujours pas. Monsieur l'arbitre qui devrait plutôt essayer de garder le calme parce que pour l'instant il a l'air un petit peu énervé hein, envers l'équipe des Spurs. Mason Mount. Ou attention, Mason Mount. Et ballon bien bloqué par Toby Alderweireld. Encore un ballon perdu, N'Golo Kanté, Mason Mount, Azpilicueta. Oh, le penalty pour l'équipe de Chelsea. Et très certainement le troisième but. Monsieur l'arbitre qui est un petit peu énervé. Eric Lamela qui essaye de calmer le jeu. Et forcément penalty pour Tammy Abraham. Face à Monsieur Gazzaniga, le gardien sauvé par le poteau. Willian. Oh là là, encore un arrêt exceptionnel pour l'instant Delali. C'est pas fini. Eric Dyer.
Harry Kane, ballon perdu avec Christian Pulisic. Exceptionnel pour l'instant, la possession du côté de Chelsea, c'est hallucinant. Attention, c'est pour toujours Pulisic. Christian Pulisic, le joueur américain, et le but, Christian Pulisic. Pulisic. Christian Pulisic qui du coup marque le but. 1 à 3 du coup. Ah ouais, ça fait très très mal. Là Dele Alli, encore une frappe de Dele Alli sur le gardien. Kepa Arrizabalaga qui a encore fait un arrêt exceptionnel. C'est du coup un nouveau corner. Avec Lamela. La tête et le. C'est but. C'est but pour l'équipe des Spurs. De Tottenham. Il me semble que c'est Yann Vertonghen hein, qui marque. Un défenseur en tout cas. Un magnifique, magnifique tête. Exceptionnelle. C'est très très bien joué ça par contre. L'équipe des Spurs. Franck Lampard qui s'énerve un tout petit peu. Et voilà Yann Vertonghen qui marque du coup à la 42e minute. 2 à 3. Tammy Abraham. Encore un but. Oh là là, à côté du goal. Tammy Abraham. Elle est pas loin du tout celle-là, cette frappe. Et ça aurait pu bien faire très très mal. Ça aurait pu faire très très mal à l'équipe des Spurs. C'est pour du coup Serge Aurier. Ballon pour Toby Alderweireld. Non, ballon totalement perdu. William, ils ont essayé de jouer un petit peu trop vite là les joueurs de Tottenham. Oh là là, attention, bien récupéré là, Dele Alli. Oh, très très bien joué, c'est pas fini, Dele Alli. Lucas, oh là là, encore une tête du joueur brésilien, Luca Moura. Ballon récupéré pour l'équipe des Spurs, Dele Alli avec Harry Kane. Harry Kane, Dele Alli, oh là là, encore un arrêt de Kepa Arrizabalaga. Ça chauffe un petit peu du côté de Chelsea. Dele Alli pour Harry Kane qui fait sur Lucas. Encore un arrêt exceptionnel de Kepa Arrizabalaga. Et c'est du coup un corner. Le dernier avant la fin de cette première période ici. Davidson Sanchez. Oh ouais, qui est par Arrizabalaga qui prend un petit peu de difficulté. Et voilà, 2 à 3 pour l'instant. Et c'est chaud, un match très très chaud. Équipe de Tottenham qui essaye de ressurgir au classement la Première Ligue. Ouais, Première Ligue. 2 à 3 pour l'instant. Avec Ali, Vertonghen, Mount, Abraham et Pulisic, les 5 buteurs de ce match. 5 buteurs différents donc, hein, vous l'aurez compris. Des deux côtés. En tout cas, on va passer à la seconde période, c'est parti. L'arbitre qui est toujours David Coates, ça n'a pas changé. Voilà, ça reste toujours le même. Et l'équipe de Tottenham qui est du coup en nombre différent. Car du coup, il joue à 10. Il joue à 11. Là, je vous rappelle qu'il y a un joueur qui a été averti d'un carton rouge, c'est Moussa Sissoko. Dele Alli qui fait du coup sur Harry Kane. Dele Alli avec Harry Kane qui a totalement raté. Enfin, c'est plutôt Dele Alli qui a raté sa passe. Attention Dele Alli, Harry Kane. Oh, le tir et la frappe et l'arrêt. Mais quelle frappe exceptionnelle en tout cas d'Harry Kane.
Kepa Arrizabalaga qui arrive à faire un arrêt magnifique. Super barré en tout cas. Le corner avec Eric Lamela. Ballon pour Davidson Sanchez qui décide de renvoyer très très loin devant. Ah non, Eric Lamela là qui a totalement loupé. Ça passe. Ah ça du coup. Ah non. La touche totalement ratée là par l'équipe des Spurs. Un ballon pour Serge Aurier. Harry Kane. Dele Alli. Ah, c'est bien récupéré là par Kurt Zouma. Kurt Zouma qui perd le ballon. C'est du coup une remise de touche pour l'équipe des Spurs avec Serge Aurier. Et il pleut beaucoup ici sur cette pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. Oh là 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 là, décidément ça perd beaucoup de ballons même. Énormément de ballons pour l'équipe des Spurs. Mais Chelsea qui perd aussi. Hein. Énormément de ballons, qui rend énormément de ballons pour l'équipe à l'équipe des Spurs, comme j'ai dit. Et la vie, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pour du coup Harry Kamela. Harry Kane. La touche en faveur de l'équipe de Tottenham. Le changement du côté de Chelsea, les Blues. Qui joue en noir aujourd'hui. Qui font un changement. Mason Mount. Et c'est Barclay, il me semble, qui rentre à sa place. Ouais, c'est Barclay. Barclay qui rentre à sa place. Oh non, là. Yann Vertonghen qui a tenté de récupérer le ballon. C'est perdu. Avec Willian, Azpilicueta, N'Golo Kanté, Kovacic. Pulisic. Ouais, match assez serré aujourd'hui. Mais l'équipe de Chelsea qui montre un petit peu plus d'efficacité devant le but, plus de réalisme. Et Gazzaniga qui récupère le ballon. Dele Alli, le tac sur Harry Kane non sanctionné. Kurt Zouma avec Kovacic, Barclay, Tommy Abraham. Tammy Abraham, c'est pas fini, Willian. Attention, ça continue pour l'équipe de Chelsea. Willian, ça continue. La passe magnifique avec Christian Pulisic. L'arrêt de Gazzaniga. En vous rappelant, bien évidemment, que Hugo Lloris s'est blessé. Qui ne sera donc présent que mi-janvier. Même fin janvier, hein, quasiment. Il a une blessure au coude. Attends, c'est pas fini. Kovacic. Kovacic, ballon récupéré avec Eric Lamela. Eric Lamela. Dele Alli. Harry Kane. Oh non, Luka Moura qui est en jeu. Les supporters essayent de négocier un petit peu avec M. l'arbitre, mais non. Changement annoncé. Dele Alli donc qui cède sa place à Christian Eriksen. Christian Eriksen, le joueur danois, qui donc rentre sur cette pelouse. Tomori. Le ballon récupéré avec Davidson Sanchez. C'est pour Yann Vertonghen. Yann Vertonghen pour Eric Lamela. Un magnifique talonnade. Oh non, ballon perdu. Kurt Zouma. Azpilicueta. Ballon pour Barclay. Harry Lamela. Et le corner pour l'équipe de Tottenham. Changement annoncé.
Tammy Abraham qui cède sa place. Et c'est donc... j'ai pas vu que c'était... Michy Batshuayi, attention le corner. Eric Lamela. Et bien récupéré avec Parizabalaga, ballon pour personne. Emerson, Azpilicueta. Kurtzuma avec Willian. Bien défendu par Jan Vertonghen. Michy Batshuayi qui est donc rentré sur la pelouse de Tottenham Hotspur Stadium. Bon, ça continue, magnifique. Magnifique jeu avec Eric Lamela qui a tenté de récupérer le ballon. Attention, c'est pour N'Golo Kanté. Kanté, le tacle, penalty. Penalty pour l'équipe de Chelsea à nouveau. Et c'est Toby Alderweireld qui tacle dans la surface. Monsieur l'arbitre qui aurait pu laisser jouer, non, qui décide de revenir à la faute. Willian, le tir et le goal. Lavar qui accepte le goal et le goal est accepté, oui. La goal line technologie accepte le goal. C'est une magnifique Panenka en tout cas que nous réserve aujourd'hui Willian sur un penalty. Oh, magnifique Panenka revisité de Willian. Panenka moderne en tout cas. Ah, elle rentre et puis elle ressort. Superbe poteau rentrant. Et on repart du coup 2 à 4. Ah non, ballon perdu, c'est du coup pour l'équipe de Chelsea. Touche pour l'équipe de Chelsea. Avec Emerson Pulisic. Ouais, comme j'ai dit depuis le début de ce match, l'équipe de Chelsea qui attaque, qui fait preuve de plus de réalisme hein, devant le goal. Changement annoncé. On va voir si c'est une bonne solution ou pas. Lucas Moura qui donc sort et c'est du coup Giovanni Lo Celso qui le remplace, l'ancien joueur du Real Betis. Oh là là, ballon récupéré avec Pulisic. Encore en attaque. Willian. Et le frappe de Willian qui s'envole un peu à côté. C'est du coup pour Gazzaniga. Alderweireld encore. C'est pour du coup Gazzaniga, toujours pour Alderweireld. Oh non, mauvaise passe, très très mauvaise passe là de Toby Alderweireld. Oula, le tac de monsieur l'arbitre qui fait signe de jouer. Harry Kane, oh là, très très mauvais jeu pour l'équipe de Tottenham. Tottenham qui joue très très mal hein, depuis le début de ce match. Oh là 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 là, très très mauvais espace encore une fois. Ballon pour Gazzaniga. Serge Aurier. Magnifique. Par contre là, l'équipe de Tottenham qui essaie de dominer un petit peu en possession. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont en train de perdre hein, pour l'instant. Christian Eriksen avec Harry Kane. Ouais, bien défendu par N'Golo Kanté et Kurtzuma qui est venu tacler dans les pieds hein, de Harry Kane. Très très bon joueur. Toby Alderweireld qui est donc sanctionné. La carte jaune, hein, c'est... Ah, c'est abusé par contre, monsieur l'arbitre là. Changement annoncé. Willian qui du coup est remplacé par un autre joueur de Chelsea. Non, je me souviens plus le nom. Hein. Un ballon pour Vertonghen, Alderweireld, Eric Dyer. Hudson-Odoi qui est donc rentré à la place de Willian.
On va voir si c'est une bonne association pour l'équipe de Chelsea. On va voir, c'est parti avec Michy Batshuayi. Il y avait Hudson Odoi qui était en attaque. Attention, Emerson sur l'aile. Ouh, c'est pas fini. L'arrêt de Gazzaniga. Ballon pour Serge Aurier avec Christian Eriksen. Berkeley. La frappe et la défense de Tottenham qui s'en charge. Changement annoncé, Eric Lamela qui du coup est changé par Tanguy Ndombele. La frappe et l'arrêt de Gazzaniga sur un coup franc. L'un des derniers corners de ce match. Hudson Odoi qui rate le corner, qui rate une action en or. Attention, Giovanni Lo Celso. Lo Celso, ballon perdu. Pulisic. Ballon récupéré par Gazzaniga. Tanguy Ndombele. La frappe est juste à côté du goal de Gazzaniga. L'équipe de Chelsea qui domine largement dans ce match et le mérite, hein, la victoire est largement méritée. L'équipe de Chelsea qui depuis tout à l'heure n'arrête pas de dominer depuis le début de ce match. Regardez-moi ça, il touche un ballon, il le perd, hein, l'équipe de Tottenham. Il touche un ballon, il le perd, regardez-moi ça, ils vont encore le perdre ce ballon. Allez, regardez-moi ça, hop là, il le perd encore. C'est encore un ballon perdu avec Pulisic. 3 minutes additionnelles. Et oui, forcément, c'est largement mérité. Chelsea qui savoure la victoire. L'équipe de Frank Lampard. Et c'est une troisième défaite consécutive pour José Mourinho depuis son coaching. José Mourinho qui n'arrête pas de perdre, hein, depuis le début de sa carrière pour l'instant ici à Tottenham. Les supporters qui vont lui souffler, à mon avis, dans les news. Et voilà, fin de ce match. Match largement gagné, largement mérité par l'équipe de Chelsea. L'équipe de Tottenham qui est en train de perdre l'espoir au championnat et qui ne peut plus rien faire. Hein, c'est fini, hein, l'équipe des Spurs. Et moi, ça, même Tanguy Ndombele sait que c'est fini. Il n'y a plus espoir pour venir dans le top 3 des meilleurs joueurs, des meilleures équipes, pardon, en Premier League. Et l'équipe de Chelsea qui est en train de faire un exploit, eux par contre. Et voilà, fin de ce match. J'espère que ce match vous a plu. En tout cas, ce match était arbitré par David Coates. Arbitrage que vous direz bien évidemment dans l'espace commentaire. Moi, je donne mon avis. Arbitrage assez moyen. Après, c'est mon avis, voilà. Voilà, bon, on va se quitter pour ce match. On se retrouve pour un prochain match. Allez à tous.